Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où aujourd'hui j'ai la chance de recevoir à nouveau Marjolaine Boutet. Bonjour Marjolaine. Bonjour Nicolas. Alors Marjolaine, pour les rares personnes, je pense, qui aiment les séries et qui ne vous connaîtraient pas, je vais quand même vous représenter. Vous êtes donc maître de conférence HDR, donc habilité à diriger les recherches à l'Université de Picardie Jules Verne à Amiens, spécialiste des séries, spécialiste de l'histoire des guerres, et vous êtes aussi chroniqueuse série dans l'émission, l'excellente émission que je recommande aussi, de Xavier Le Herpeur, une heure en série, le samedi soir sur France Inter. Voilà, donc on se retrouve pour évoquer une série qu'on pourrait peut-être qualifier quelque part un petit peu de patrimoniale, une série qui a pour contexte la Seconde Guerre mondiale, mais vous allez nous dire que justement, est-ce que c'est une série de guerre ou pas ? On en parlera un peu plus tard. Voilà, on laisse un peu le suspense, on ne spoile pas tout au début. C'est Papa Schultz. Alors, peut-être pour commencer, avant de rentrer véritablement dans la série, est-ce que vous pourriez nous faire, Marjolaine, une petite mise en contexte général et nous parler des différentes représentations qu'on a de cette Seconde Guerre mondiale à l'écran, que ce soit sur le petit ou sur le grand d'ailleurs ? Oui, donc moi, Papa Schultz, ça fait partie des 14 séries télévisées qui racontent la Seconde Guerre mondiale, mais donc des séries télévisées qui datent de la guerre froide. Et bref, ça fait partie donc de ces 14 séries que j'ai analysées pour mon HDR, justement. Que j'ai soutenu donc en octobre 2021 et qui fera l'objet d'une prochaine publication. Mais donc là, on va parler uniquement de l'une de ces séries, sans doute la plus connue, une des plus connues de nos auditeurs et auditrices, qui est Papa Schultz, parce que on va y revenir, ça a fait les beaux jours de M6 en particulier à la fin des années 80, dans les années 90 et même jusque dans les années 2000. Mais Papa Schultz, donc Hogan's Heroes, ça c'est le titre original de la série américaine, donc les héros de Hogan, c'est une série de la fin des années 60. C'est une série qui a été diffusée donc sur la chaîne américaine CBS au départ, entre 1965 et 1971, c'est une sitcom de 168 épisodes. Diffusé, et on y reviendra, donc en pleine guerre du Vietnam pour les États-Unis, mais ensuite multi-rediffusé. Cette série, en termes de représentation de la Seconde Guerre mondiale, elle s'inscrit dans ce qu'on appelle la quatrième vague des représentations cinématographiques de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire ce moment où la Seconde Guerre mondiale devient un décor de plus en plus détaché de sa réalité historique et un décor pour divertissement, pour films d'action, dans lequel les Américains en particulier, mais aussi les Alliés de façon générale, sont moralement infaillibles. Les Allemands sont très très bêtes ou prisonniers de leur hiérarchie. Et les Alliés sont une espèce de joyeuse camaraderie de gens un peu différents qui vont, grâce à leur ingéniosité souvent, parvenir à gagner la guerre ou en tout cas à s'échapper. Je pense par exemple à la grande évasion de John Sturges en 1963, où évidemment en France la grande vadrouille est complètement dans cette veine-là. Et puis après Papa Schultz, je vais dire Papa Schultz hein, pendant tout le truc, ça sera plus simple, il y a d'autres films qui vraiment deviennent des films d'action, des films de copains, avec encore une fois la Seconde Guerre mondiale comme décor. C'est Les 12 salopards, 1967, ou De l'or pour les braves, un film de Brian Hutton de 1970, dont le titre original en anglais, c'est Kelly's Heroes,
qui est donc un hommage direct à Hogan's Heroes, donc à la série télévisée. Donc déjà, le cinéma s'inspirait des séries télévisées. Et le scénario de « De l'or pour les braves », dans lequel il s'agit de récupérer donc, de l'or caché par les nazis, chasse au trésor, eh bien, est directement inspiré du 18e épisode de la saison 1 de Papa Schultz. Donc, on est vraiment dans une circulation déjà aussi entre le cinéma, la télévision, et dans laquelle, donc, dans ces années 60, où voilà, la réalité de la Seconde Guerre mondiale s'efface des esprits, et où, on va y revenir, mais les nazis et surtout les soldats de la Wehrmacht deviennent ces méchants d'opérette voilà, qui sont les nouveaux Indiens, finalement, voilà, avec des films de la Seconde Guerre mondiale qui reprennent les codes des westerns et des films d'action. Marjolaine, est-ce que, peut-être pour rentrer un peu plus dans le détail de cette série, vous l'avez dit, série diffusée sur M6, série, je pense, qui est relativement connue de nos auditeurs, mais est-ce que vous pourriez revenir sur les origines véritablement de cette série dans les années 60 avec, vous avez commencé à l'évoquer, hein, ce regard qui commence un tout petit peu à évoluer sur la guerre? Oui, effectivement. Alors, cette série, elle a des origines qu'on va qualifier d'un peu douteuses. Parce que donc on est au milieu des années 60, on est à un moment où donc la Seconde Guerre mondiale à Hollywood est à la mode, et c'est dans cette atmosphère particulière que Bernie Fine, qui est un acteur qui rêvait de devenir scénariste, et Albert Reddy, qui est un architecte qui voulait changer de vie, se rencontrent. Alors là encore, il y a toute une mythologie, se seraient rencontrés dans un diner et ils auraient commencé à parler et ils auraient eu l'idée de proposer donc à une chaîne de télévision américaine, en l'occurrence CBS, une sitcom située dans une prison de basse sécurité avec des détenus qui essaient toujours de s'évader. Mais à l'époque, il est inenvisageable de faire une série télé dont les héros sont des criminels. Et donc, ils auraient eu l'idée de transformer la prison en stalag, donc en camp de prisonniers de guerre de la Seconde Guerre mondiale, puisque là, la sympathie du public est assurée, puisqu'il s'agit effectivement de prisonniers, mais qui ne sont pas des criminels, puisque ce seraient donc des soldats alliés enfermés par les méchants allemands. Et donc, c'est cet argument qui aurait convaincu le patron tout-puissant de CBS de l'époque, qui s'appelle William Paley, et qui était à l'époque à la recherche de nouvelles séries qu'il pourrait tourner en couleur pour la saison donc 1965-1966, puisque ce milieu des années 60, c'est aussi le moment où les chaînes de télévision américaines se mettent à tourner et à diffuser des programmes en couleur, même si encore à l'époque, les postes de télé couleur restent assez rares et surtout très chers, mais c'est un argument marketing. Bref, donc ça, c'est l'histoire officielle de la naissance de la série. Toutefois, cette histoire-là, elle ressemble quand même beaucoup, mais alors beaucoup, à une autre série que NBC, concurrente de la chaîne CBS, était alors en train de tourner dans les mêmes studios hollywoodiens et qu'elle avait baptisé Kempo 44, donc le camp 44. Et c'était une sitcom qui se déroulait dans un camp de prisonniers de guerre en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc NBC a d'ailleurs fait un procès pour plagiat à Fane et Reddy. Ils n'ont pas été condamnés. La maison de production d'un film de Billy Wilder de 1953 qui s'appelait Stalag 17, et qui était déjà aussi une comédie située dans un camp de prisonniers, leur a aussi fait un procès dont ils se sont également sortis. Donc il n'y a pas eu de condamnation pour plagiat, mais voilà, des choses quand même très, 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 très semblables. Et ce qui laisse aussi planer le doute sur les origines de cette série, c'est que Bernie Fine et Albert Reddy n'ont plus rien écrit ensemble après
ce pilote. Et n'ont jamais connu un tel succès par la suite. Alors, il y en a un qui est devenu producteur et l'autre scénariste mineur, mais tous les deux ont été richissimes grâce aux droits touchés à chaque diffusion donc de Papa Schultz. Mais en réalité, le vrai auteur, on va dire, de Papa Schultz, même s'il n'est pas crédité en tant que créateur au générique, s'appelle Edward Feldman. Et Edward Feldman, en réalité, on pourrait le qualifier aujourd'hui de showrunner, parce que c'est vraiment lui qui a d'abord réécrit en grande partie le pilote, puis ensuite qui a réalisé une grande partie des épisodes, choisi les autres scénaristes et en particulier choisi les acteurs. Et Feldman a eu notamment une idée que n'avait pas eu NBC pour Kempo 44, etc. Mais voilà, et il a eu l'idée d'embaucher des acteurs juifs pour interpréter les soldats allemands de cette sitcom. Et ça, en termes de communication et puis en termes aussi de résultats, ça a été le vrai coup de génie de Papa Schultz. Vous l'avez dit aussi, il y a un côté vraiment hyper cathartique hein, dans cette série-là, puisque en fait, ce sont des Juifs qui se moquent des nazis et des Juifs directement qui ont connu le nazisme, puisque certains ont fui l'Allemagne et d'autres ont même échappé au camp de concentration. Oui, on est au milieu des années 60, donc effectivement, le souvenir de la Seconde Guerre mondiale commence à s'estomper. Malgré tout, c'était 20 ans avant, donc c'est encore très frais, et c'est encore très frais pour donc toute cette partie donc du casting de la série qui interprète des Allemands. Donc le chef du camp, c'est le colonel Klink, qui est interprété par Werner Klemperer. Et Werner Klemperer, c'est le fils du célèbre chef d'orchestre juif-allemand Otto Klemperer, qui s'est réfugié aux États-Unis à partir de 1935 parce qu'il était évidemment persécuté par le régime nazi. Et Otto Klemperer s'est engagé dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, et donc Werner et son fils. Notre fameux Papa Schultz, donc le sergent Schultz, est lui interprété par un acteur qui s'appelle John Banner. Alors c'est une anglicisation de son nom, c'est un acteur juif d'origine autrichienne qui lui est arrivé aux États-Unis en 1938. Hein, donc on voit bien qu'ils ont tous fui les persécutions nazies et qui était un acteur donc comique en Autriche. Et qui s'est fait un nom à Broadway en interprétant de nombreux personnages d'Allemands dont on aimait beaucoup se moquer aux États-Unis dans les années 40. Et puis, il y a un personnage, le général Burkhalter, qui est le supérieur de Klink, et lui est interprété par un acteur qui s'appelle Léon Askin, et lui aussi, qui était un metteur en scène austro-allemand très très connu dans les années 30 et qui a été persécuté donc après l'Anschluss, qui s'est réfugié d'abord en France et puis en tant qu'apatride en 1940, il a également réussi à quitter la France pour les États-Unis où il est arrivé en 1940. Et il s'est ensuite engagé dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a vraiment des choses très, très fortes hein, dans ce casting. Et puis, bien sûr, alors ça, on le sait moins au moment de la diffusion de la série aux États-Unis, c'est qu'il y a un personnage de Français parmi les prisonniers. Donc le personnage s'appelle Louis Lebeau et il est interprété donc par un acteur d'origine française qui s'appelle Robert Clary et dont le vrai nom est Robert Wiedermann et qui est le fils de juifs polonais réfugiés en France et qui a été interné à Buchenwald pendant 3 ans entre ses 13 et ses 16 ans et il ne doit sa survie qu'à ses capacités d'acteurs déjà et donc voilà ce tout jeune adolescent faisait des spectacles pour les gardiens du camp de Buchenwald et c'est comme ça qu'il a survécu.
À l'époque, là encore, et c'est au niveau de la mémoire, Robert Clary ne parlait pas du tout de cette expérience lui-même, donc d'interné à Buchenwald, et ce n'est que dans les années 80, après la diffusion d'Holocauste notamment, et au moment où la parole de beaucoup de survivants s'est libérée, que Robert Clary a commencé à raconter cette adolescence un peu particulière, mais voilà, donc ce sont tous ces gens qui sont réfugiés ou fils de réfugiés, parfois déportés eux-mêmes, qui rejouent en quelque sorte ces situations, et évidemment qui les rejouent de façon burlesque et tout à fait cathartique. Donc voilà, donc il y a quand même un sous-texte dans Papa Schulz qui est plus profond, voilà, que de la simple sitcom. Vous l'avez dit, sitcom, ça nous fait donc penser à une série comique, hein. Cette série-là a connu un grand succès, peut-être plus d'ailleurs que par les thématiques qu'elle aborde, on va y revenir, mais avant tout parce que c'est une série comique qui a fait rire, on va dire, des générations d'auditeurs, en tout cas de téléspectateurs, que ce soit aux États-Unis ou en Europe d'ailleurs. Oui, alors tous les épisodes de Papa Schulz sont les mêmes pratiquement, c'est-à-dire qu'au début de la série, le colonel Klink va se vanter face à un personnage secondaire ou tertiaire que personne ne s'est jamais évadé du Stalag 13 dont il est responsable. Et évidemment, pour une raison ou pour une autre, Hogan et ses amis vont mettre au point un stratagème qui va permettre à telle ou telle personne de s'évader du camp. Voilà, donc c'est le principe est assez simple. Hogan et ses amis sont en réalité des prisonniers volontaires dans le camp, puisqu'on y reviendra, mais plus que des prisonniers, ce sont des espions qui, en fait, s'infiltrent à l'intérieur de la machine de guerre nazie pour mieux la faire dérailler de l'intérieur. Donc ça, c'est le principe. Et évidemment, on est sur du burlesque, sur voilà, un comique très, très visuel où les Allemands se prennent des tartes à la crème dans la figure, des seaux d'eau sur la tête. Et on est dans une violence qui est plus proche des dessins animés de Looney Tunes, hein, Bugs Bunny, Bip Bip et le Coyote, voilà, avec une violence qui est à la fois très, très visuelle mais qui ne fait jamais mal, et où c'est toujours le chasseur, le prédateur, qui est l'objet de la blague, et c'est le prisonnier en fait qui se moque de son geôlier. Et cette influence burlesque, on la retrouve aussi dans les corps des deux gardiens allemands principaux, donc Klink, donc interprété par Werner Klemperer, qui est très très maigre, il porte un monocle, c'est un peu comme Laurel dans les films muets. Et Schulz, lui, c'est Hardy, il est grand, il est gros, il a ce côté très très bonhomme, et bien sûr cette différence de corporelle joue aussi dans le comique et dans l'identification simple et rapide des types dramatiques par les téléspectateurs. Donc on est vraiment dans quelque chose qui tient beaucoup plus, voilà, du cinéma burlesque et du comique burlesque que évidemment d'un moindre effort de réalisme par rapport à la description de la Seconde Guerre mondiale ou d'un camp de prisonniers de guerre. Marjolaine Boutet, vous êtes une des spécialistes en France de l'étude des séries, et des séries historiques bien sûr en particulier, et ici en plus elle vient croiser, vous l'avez dit, ce que vous avez utilisé pour votre HDR, c'est-à-dire des séries autour de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, quand on a préparé cette émission, Marjolaine, vous m'avez avoué que pour vous, finalement, Papa Schulz, c'est pas tellement que ça une série historique. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus ? Oui, alors c'est ce qui est intéressant, c'est que en fait le propre de la sitcom, en tout cas de la sitcom classique, hein, on va dire avant Friends, c'est que une sitcom, ça se passe dans un univers clos.
avec des épisodes bouclés où la situation de départ est la même que la situation d'arrivée. C'est-à-dire que comme il n'y a pas d'évolution, on ne peut pas raconter l'histoire. En fait, il n'y a pas de progression, il n'y a pas de dénouement, il n'y a pas de déroulement. Donc, le temps dans Papa Schultz, comme dans beaucoup d'autres sitcoms, est bloqué. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Papa Schultz, on peut regarder les épisodes dans n'importe quel ordre, parce que même le temps au sens météorologique est bloqué. C'est-à-dire qu'on est constamment à la fin de l'hiver, il y a de la neige sur le sol, on ne sait pas trop quand on est, mais ça évoque donc l'Allemagne, hein, pour le téléspectateur américain, donc l'Europe, donc un pays où il fait froid un peu l'hiver, tout ça. Et même ce camp, donc ce stalag, qui du fait du burlesque, il se passe quand même beaucoup de choses, il y a des murs qui sont détruits, il y a des explosions, il y a de la boue, il y a des souterrains, des choses qui sont construites, évidemment les évasions sont souvent très spectaculaires. Eh bien, le camp redevient le même au début de chaque épisode. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune trace de l'épisode précédent, ou il n'y a aucune trace du temps qui passe. Et les personnages eux-mêmes n'apprennent jamais de leurs expériences passées. C'est-à-dire que Klink continue à répéter pendant 168 épisodes que personne ne s'est jamais évadé de son camp, alors qu'il y a 168 personnes au minimum qui s'en sont échappés. Donc il y a ce côté forcément anti-historique. Il y a très peu de références aux événements de la guerre, et puis ils sont mentionnés vraiment dans n'importe quel ordre. Donc en fait ce n'est pas une série sur la Seconde Guerre mondiale, et on serait bien embêté d'y trouver quelconque portée pédagogique pour faire comprendre à des élèves ce qu'est la Seconde Guerre mondiale ou ce qu'est l'expérience des prisonniers de guerre. En revanche, c'est une série historique dans le sens où pas dans le sens où ça raconterait la Seconde Guerre mondiale, mais dans le sens où, en réalité, ce que raconte Papa Schultz, c'est la guerre froide. Effectivement, hein, vous l'avez dit, cette série des années 60, on est quelques années après. Bien sûr, la Seconde Guerre mondiale, mais entre-temps, le monde a basculé vers cette opposition entre les anciens alliés. D'ailleurs, dès la fin de la guerre, on l'a ressenti tel quel, avec notamment les deux conférences de Yalta et Potsdam qui ont fait basculer le monde, finalement, d'une alliance de circonstances vers la guerre froide. Alors, comment est-ce que, à travers cette série qui montre finalement des Allemands avec des prisonniers alliés, on peut y voir, Marjolaine, ce contexte de guerre froide ? Oui, alors c'est clairement une série de la guerre froide, parce que là encore, vraiment, la Seconde Guerre mondiale et les uniformes allemands ne sont que des décors et des costumes. En réalité, Hogan et ses amis sont des espions de la guerre froide, tandis que leurs geôliers sont, eux, des Allemands de la Première Guerre mondiale. Et on revient donc sur ce truc très, très ahistorique, finalement, où on crée du comique en mélangeant des références culturelles et cinématographiques familières aux téléspectateurs, parce que c'est vraiment pour créer le rire, il faut placer les téléspectateurs dans un environnement familier. Et c'est le décalage entre le connu et l'inconnu, entre le familier et la surprise, qui crée le rire. Si l'environnement n'est pas familier, si la situation, si vous ne partagez pas avec votre public l'idée d'une norme commune, vous n'arriverez pas à créer le rire. Et donc, Klink et Schultz reprennent là encore des clichés. Donc, Klink, c'est l'officier prussien qui rêve d'héroïsme et de grandeur et qui se retrouve mis au placard dans ce camp de prisonniers parce qu'en fait, il est complètement incompétent. Et c'est sa bêtise et son arrogance, finalement, qui crée à la fois le comique et qui le rendent sympathique vis-à-vis des téléspectateurs. Schultz, lui, il est aussi très sympathique, d'abord parce qu'il a ce physique de bonhomme, hein,
voilà, il est grand et gros, il est pas du tout menaçant, et il reprend les caractéristiques là encore d'un stéréotype comique qu'on connaît très bien en Europe, et en particulier en Europe de l'Est, et une partie non négligeable des téléspectateurs américains ont ce background culturel là, c'est qu'il reprend donc les caractéristiques de ce qu'on appelle le Schweik. Le Schweik, c'est un stéréotype de soldat austro-hongrois très bête, voilà, qui était là encore la cible du comique troupier dans le monde germanophone et en Europe de l'Est au début du XXe siècle. Tout ça, tous ces stéréotypes-là, ils sont importants. Pourquoi ? Ils sont importants parce qu'ils dénazifient ces soldats allemands. C'est-à-dire que ce sont des clichés qui viennent d'avant, qui viennent de la Première Guerre mondiale. Et d'ailleurs, dans son bureau, Klink a un casque à pointe de la Première Guerre mondiale. Et il y a très, très peu de croix gammées dans Papa Schulz. On fait le moins possible référence au nazisme, et en tout cas aucune référence aux crimes nazis, aux camps de concentration, à la Shoah, tout ça n'est jamais mentionné. On est dans un conflit classique entre deux États rivaux, l'Allemagne d'un côté et les Alliés de l'autre, évidemment commandés par les Américains, et avec une complicité finalement de plus en plus forte et assumée, notamment de Schulz vis-à-vis de ses prisonniers alliés. Et la catchphrase de Schulz, donc la phrase qu'il répète à chaque épisode et souvent plusieurs fois par épisode que les téléspectateurs attendent et qui déclenche le rire, c'est « I know nothing, I see nothing », donc « je ne vois rien ». Je ne sais rien, je ne vois rien. Et donc, là aussi, c'est une série qui, finalement, n'apprend rien sur la Seconde Guerre mondiale et ne montre rien de la Seconde Guerre mondiale, finalement. Et ce Schulz, il apparaît davantage aussi comme une caricature de l'industriel de la RFA. On l'imagine très bien en costume, avec un cigare, comme là encore personnification stéréotypée du miracle économique allemand, davantage que évidemment comme soldat, ou encore plus comme criminel de guerre ou comme génocidaire. Donc on est dans une série qui masque vraiment la réalité de la Seconde Guerre mondiale, et qui s'inscrit là encore dans des séries très, très populaires à la télévision américaine des années 60, qui sont bien plus que les séries de guerre, il y en a, hein, mais on est davantage dans la série d'espionnage avec Papa Schulz, où on reprend les stratagèmes d'une série, alors il y en a eu plein d'autres avant, mais celle que les auditeurs et les auditrices connaissent le mieux sans doute, c'est Mission Impossible, qui est diffusée donc sur CBS aussi à partir de 1968, à partir de l'année suivante, où là encore, vous avez un groupe de gens aux compétences et aux caractères différents mais complémentaires qui s'allient pour mettre en place des stratagèmes qui permettent de libérer telle ou telle personne, de récupérer telle ou telle information, tel ou tel trésor. Et on est vraiment là-dedans avec Papa Schulz. Et d'ailleurs, la bande originale, la musique additionnelle de Papa Schulz fonctionne aussi avec des percussions qui rythment les actions et qui rappellent la bande originale des films de James Bond. Donc on est dans quelque chose de très davantage dans une série d'espionnage que dans une série de guerre. Et dernier point, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais qui indique vraiment qu'on est dans une série de guerre froide, c'est que la menace la plus importante est celle en général qui permet d'obtenir l'adhésion des geôliers allemands, c'est de les menacer, de les faire envoyer sur le front de l'Est. Et finalement, Papa Schulz est une Seconde Guerre mondiale comme si la violence, et la violence vraiment grave, celle qui fait peur,
eh bien, elle se passe toujours en URSS. Voilà, donc il y a cette menace du front de l'Est, cette menace qui est à l'Est, voilà, et qui là aussi des notes de cette atmosphère particulière de la guerre froide. C'est une série qui a duré de nombreuses années, qui a connu du succès, hein, vous l'avez dit, aux États-Unis, mais aussi en Europe et notamment d'ailleurs en Allemagne. Alors, est-ce que vous pourriez évoquer maintenant ça avec nous, parce que ça nous permettrait de voir justement quel a été le ressenti des spectateurs, bien sûr américains, mais surtout peut-être européens qui avaient vu cette guerre et qui ont vu de nombreuses années après d'ailleurs cette série-là sur la Seconde Guerre mondiale. Oui, parce que avant d'arriver à ça, il faut revenir aussi. C'est une série de guerre froide. N'était pas une série de guerre. N'était pas une série sur la Seconde Guerre mondiale. Je vais même aller plus loin. Je vais dire, Papa Schultz est une série antimilitariste. C'est vraiment une série typique, on va dire, de l'esprit 68. C'est la seule série de guerre américaine dont la diffusion est entièrement pendant la guerre du Vietnam. MASH, qui est souvent considérée comme la grande série critique sur la guerre du Vietnam, sa diffusion commence en 1973, donc au moment où les Américains sont en train de 71, pardon. C'est la fin. Papa Schultz, donc, s'est diffusé entre 1965 et 1971, donc vraiment au moment où la contestation de la guerre du Vietnam est en train de grossir. C'est une série qui est faite par des gens de gauche, voire très à gauche. Klemperer notamment, Werner Klemperer est très engagé dans les mouvements contre la guerre du Vietnam, pareil pour John Carter, pareil pour Louis Le Beau, et encore une fois, leur expérience de la guerre en Europe explique ça. Il n'y a que le personnage principal, hein, ce Bob Crane, qui interprète Hogan, qui est un républicain pur jus et qui défend la guerre. Et d'ailleurs, ça a créé beaucoup de tensions sur les tournages où il était assez isolé du reste de l'équipe. Donc, cet engagement américain contre la guerre au Vietnam, eh ben, on le ressent aussi dans cette série qui ne parle pas du tout de la guerre et se moque aussi des stéréotypes virils liés aux soldats, à la guerre, à l'héroïsme, tout ça, parce que finalement, tous ces soldats, qu'ils soient prisonniers ou qu'ils soient geôliers, eh bien, dans ce camp, ils échappent à la réalité de la guerre. Et ils sont donc dans une sorte d'environnement protégé, et d'ailleurs, tout au long des 168 épisodes, leur préoccupation principale va être de maintenir leur groupe, à la fois les prisonniers et les geôliers, qu'il n'y ait pas de changement ni d'un côté ni de l'autre, parce que cette situation leur est finalement assez confortable et leur permet voilà, d'être protégés des affres de la guerre. Ce camp, ce Stalag 13, donc, tient plus de la colonie de vacances que de la prison, puisqu'ils ont quand même un très grand confort. Ils peuvent sortir du camp. Il y a des épisodes qui se passent à Paris. Dans l'épisode pilote, on voit les prisonniers qui se sont installés un salon de manucure, un sauna. Voilà, donc on n'est pas du tout dans une série militariste, ni même qui met le héros de guerre ou une virilité très, très violente en valeur. Et là encore, comme on est dans l'humour potache, très souvent on voit une partie des personnages qui se déguisent en femmes. Voilà, donc il y a ce jeu-là qui est typique de ces années 60 et même dans plusieurs... en fait, là encore, le fait que le but des geôliers allemands soit de ne pas aller sur le front de l'Est, donc de ne pas aller se battre, dans le contexte, voilà, de la guerre du Vietnam, c'est évidemment pas anodin.
Et il y a 4 épisodes dans la série. Alors, évidemment, c'est une minorité par rapport aux 168, mais 4 épisodes de la série qui montrent des personnages principaux en train d'essayer de convaincre un officier recruteur qu'ils sont inaptes au service. Et là encore, voilà, dans le contexte de la guerre du Vietnam, ça a évidemment des échos importants. Il y a d'autres échos aussi, c'est que comme la plupart de ces séries, notamment de ces séries d'espionnage du milieu des années 60, cette bande de Hogan est un casting inclusif, c'est-à-dire qu'un des membres donc de la bande est noir. Et donc là, c'est synonyme de la fin de la ségrégation et d'une meilleure représentation des acteurs afro-américains à la télévision. Toutefois, cette représentation, elle est à double tranchant. D'abord parce que le noir de la série, il est un peu que ça. Il est totalement interchangeable et d'ailleurs, il sera remplacé à la fin de la saison 5. L'acteur, donc Ivan Dixon, quitte la série. Il est remplacé par un autre acteur noir sans que ce soit expliqué ni justifié pour les téléspectateurs. Et le personnage garde les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que c'est le second de Hogan, c'est un expert en électronique exactement comme le personnage noir de Mission Impossible. Et c'est le seul personnage dont on se moque jamais. Voilà, donc il est représenté certes, mais paradoxalement, donc ce rôle sérieux dans une comédie a tendance à le rendre invisible ou en tout cas beaucoup moins attachant pour les téléspectateurs. Voilà, donc c'est une inclusion qui est à double tranchant, puisque d'un côté, elle contribue à diffuser un discours assimilationniste, hein, où les téléspectateurs voient des personnes blanches et non blanches qui travaillent ensemble sur un pied d'égalité, où il n'y a pas de ségrégation, il n'y a pas de discrimination. Hein. Dans la série, le seul pays qui est raciste, c'est l'Allemagne nazie. L'épisode qui se passe à Paris montre quand même que la situation des Noirs, elle est meilleure à Paris qu'ailleurs, mais voilà, on évoque très très peu ce qui se passe aux États-Unis. Et d'un autre côté, donc cette inclusion, bah, ça fait du racisme et des inégalités entre les Noirs et les Blancs un non-problème. Et de gommer toute différence raciale, et ben ça contribue paradoxalement à minimiser les revendications des Afro-Américains, en laissant penser aux téléspectateurs blancs qu'après le vote donc des Civil Rights Act de 1964 et la fin de la ségrégation légale dans le sud des États-Unis, eh bien, tous les problèmes sont réglés et regardés à la télévision. Les Noirs et les Blancs travaillent ensemble. Voilà. Là encore, ce personnage noir, il a quelques histoires d'amour, mais toujours avec des femmes noires. Donc, voilà, c'est... Il y a des progrès dans les représentations, mais qu'il faut nuancer en tout cas. Bref, et donc ce discours-là, qui est finalement un discours très moderne, eh bien c'est ça qui a permis à cette série et ce côté hors du temps, c'est ça qui a permis finalement à Papa Schultz de continuer à connaître le succès des décennies après sa première diffusion. Parce que ce discours antimilitariste, ce comique finalement burlesque très ancien, eh ben, ça marche dans les années 60 et ça marche aussi dans les années 90. Donc au moment de sa première diffusion, Papa Schultz a eu un grand succès pour ses deux premières saisons. Puis après, elle a perdu gentiment des téléspectateurs, mais elle a été maintenue donc, par CBS pour 168 épisodes qui ont ensuite été multi-rediffusés en journée aux États-Unis et qui a fait que Papa Schultz, jusque dans les années 90, a fait partie des séries cultes des étudiants américains et particulièrement des jeunes hommes. C'est vraiment une série qui a
qui a son cœur de cible et son cœur de fan. En gros, c'est les hommes entre 14 et 29 ans. On joue aux petits soldats et aux G.I. Joe quand on est gamin. Et puis après, de voir ces G.I. Joe s'animer à la télévision dans Papa Schultz, ça marche très bien. À partir des années 70, là encore parce qu'en Europe, les chaînes de télévision se mettent à diffuser toute la journée, eh bien, il faut des programmes pour remplir les grilles. Et les séries américaines, du fait de la dévaluation du dollar en 1971 et du fait d'une politique active de la part des États-Unis, les séries américaines ne sont pas chères. Et donc, Papa Schultz est diffusé en Europe et diffusé notamment en France, donc à partir de la fin des années 80, début des années 90, d'abord sur Canal+, qui a diffusé beaucoup de séries américaines et britanniques au départ pour remplir ses grilles, et puis ensuite par M6, qui là encore a fait son succès et qui a fait de la contre-programmation. Vraiment une stratégie en diffusant en particulier des sitcoms au moment des journaux télévisés, au moment des repas familiaux. Et c'est peut-être à ce moment-là que les auditeurs et les auditrices ont découvert Papa Schultz à la fin des années 80 et au début des années 90. Mais moi, je voudrais davantage parler du succès de cette série en Allemagne. Parce que donc en Allemagne, Papa Schultz, que les Allemands appellent Ein Käfig voller Helden, une cage pleine de héros, donc Ein Käfig voller Helden, ça a eu un énorme succès à partir de 1994. Et là, le contexte est extrêmement intéressant parce que donc la série a été doublée en allemand par un monsieur qui s'appelle Rainer Brandt, qui vient d'Allemagne de l'Est et qui est un spécialiste, on va dire, des doublages créatifs, c'est-à-dire des doublages qui ne respectent pas le texte original et qui, voilà, inventent parfois de nouvelles choses. Et c'est notamment lui qui est responsable du doublage créatif d'Amicalement Vôtre, la série avec Tony Curtis et Roger Moore, qui a eu beaucoup plus de succès en Allemagne et en France grâce à ce doublage qui ne respectait pas le texte original et qui a créé une relation et des identités aux personnages qui n'existe pas vraiment dans la série anglophone. Bref, donc ce doublage allemand de Papa Schultz donne des accents de différentes régions aux soldats allemands. C'est-à-dire que Klink hérite d'un accent saxon, Schultz d'un accent bavarois, et pour le public allemand, ces différents accents évoquent la rivalité entre donc Allemands de l'Est et Allemands de l'Ouest, qui a été donc revitalisé aussi depuis la réunification. Burkhalter, donc le général, lui, a un accent autrichien, ce qui évoque pour les Allemands Hitler. On donne une diversité aux personnages allemands, tandis que les Alliés, eux, parlent un allemand neutre, à l'exception donc du personnage français qui garde un accent français et du personnage britannique qui, lui, on accentue le côté déjà très efféminé du personnage. Donc ça, c'est pour les accents. La traduction elle-même, la traduction en allemand aussi, accentue encore le côté comique et burlesque de la série. C'est-à-dire que tout ce qui est encore des références à la Seconde Guerre mondiale est totalement transformée. Dans la série, Londres est bombardée de préservatifs et non pas de bombes parce que, là encore, les Allemands espèrent gagner la guerre grâce au contrôle des naissances. Les dépôts d'essence qu'Hogan et ses hommes font exploser dans la série
deviennent des usines de schnapps ou de Fanta. Les usines d'armement deviennent des usines de papier toilette ou de pommes frites. Et donc, on gomme vraiment de plus en plus la guerre et toute référence à la réalité historique pour accentuer la comédie, et à tel point que Klink, qui parfois, dans la série en anglais, part dans des grands monologues où il évoque son patriotisme et ses ambitions personnelles. Là, ce patriotisme est totalement gommé dans la version allemande et c'est remplacé par des espèces de digressions totalement absurdes sur sa femme de ménage, baptisée Frau Kalinke, qui est originaire de Silésie, et qui le terrorise, voilà. Et donc, on transforme complètement les expressions, le sens des expressions de Klink dans ces moments-là. Et donc, et c'est ça l'objet de ma recherche là pour mon HDR et sur cette série et sur d'autres, c'est de montrer en réalité comment et pourquoi la Seconde Guerre mondiale est réécrite pendant la guerre froide. Et ici, elle est même, dans les années 90, totalement gommée, puisqu'il s'agit, là encore, de réécrire l'histoire pour pouvoir vivre avec et de permettre finalement aussi, dans un côté cathartique, hein, aux Allemands, dans les années 90, de se moquer de leur passé et voilà, de transformer... la culpabilité allemande en rire cathartique et de leur permettre peut-être d'envisager l'avenir. Donc c'est toujours voilà, je trouve que la comédie doit toujours être prise au sérieux, en tout cas dans l'analyse, parce que il y a des messages politiques et ça fait aussi avancer la mémoire des guerres. Donc, ça a permis la réconciliation au sein du monde libre avec les Allemands de l'Ouest pendant la guerre froide. Et ça a permis peut-être aussi une autre étape du travail de mémoire en Allemagne dans les années 90 et 2000. Marjolaine, on arrive au bout de cette émission. Et au final, alors, qu'est-ce que doivent retenir nos auditeurs et nos auditrices sur la série Papa Schulz ? Et que c'est une comédie très efficace déjà, mais qui a un message politique qu'il faut savoir ou pas, hein, mais remettre dans son contexte pour comprendre son succès, pour comprendre son succès dans la durée. Et que voilà, pour moi, il n'y a pas d'œuvres, de documents ou de traces du passé qui soient moins dignes d'intérêt qu'une autre, et je trouve que vraiment si cet épisode peut convaincre ou conforter les gens qui travaillent sur la comédie ou sur des objets moins légitimes ou sur des objets divertissants, que oui, on peut en faire l'analyse, et que parfois on trouve pas du tout ce qu'on pensait trouver dans une série qui a priori est située pendant la Seconde Guerre mondiale. Ben, on trouve pas du tout la guerre et encore moins la Seconde Guerre mondiale, mais on va trouver d'autres choses. Et là encore, une série comme n'importe quoi, hein, une fiction historique, parle toujours à mon sens davantage du contexte dans lequel elle est produite que du passé qu'elle prétend ressusciter. Merci beaucoup, Marjolaine Boutet. Alors, on renverra les auditeurs et auditrices qui voudraient en savoir plus sur cette série et puis sur les autres de votre corpus vers votre ouvrage quand il sera sorti. Et d'ailleurs, on ne manquera pas de relayer l'information sur Histoire en série et puis de vous réinviter pour faire peut-être une émission autour de livres en série sur cet ouvrage-là. Donc, on pourra y trouver Papa Schulz et d'autres séries. Alors, peut-être rapidement, Marjolaine, quelles autres séries sont dans le corpus ? Alors, dans le corpus en série américaine, il y avait Combat de 1962, et puis
Évidemment, Holocaust et des sagas des années 80, The Winds of War and War in Remembrance. Donc ça, c'est des séries avec Robert Mitchum sur la Seconde Guerre mondiale des années 80. Il y a aussi des séries britanniques, Dad's Army, Manhunt, Secret Army et Allo Allo, donc des comédies et des drames. Il y a une série française, il y a deux séries françaises des années 70, une qui s'appelle Le 16 à Kerbrillant, que je recommande fortement, et La ligne de démarcation, que je recommande un peu moins. Et puis, il y a la grande série allemande des années 80, qui est Heimat. Voilà, ça c'est voilà, les principales séries que j'ai étudié, disséqué, comparé voilà, dans cet ouvrage qui, j'espère, paraîtra bientôt. Et qui nous laisse aussi, quand on voit ce corpus de séries relativement rêveur, on va dire, pour de futures émissions peut-être sur Histoire en série, sur les guerres, parce que vous l'avez 450 heures de corpus, donc il y a des choses à dire, ouais. Exactement. Merci beaucoup, Marjolaine Boutet. Donc, celles et ceux qui voudraient avoir plus d'informations sur l'émission, ben, foncez sur notre site internet histoireensérie.com. Vous aurez plus d'informations dessus. Et puis, n'hésitez pas à suivre notre actualité sur nos réseaux sociaux où on est membre, c'est-à-dire Twitter et Facebook. Merci beaucoup, Marjolaine. Et puis, à bientôt. Merci, Nicolas. Retrouvez-nous sur Twitter @histoireensérie pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Such a beautiful planet, but the legend by a stranger.